Bonjour à tous. Alors, comme d'habitude, un nouveau point lecture. Donc, dans ce point lecture, je vais vous présenter mes lectures passées. Pour ce qui est de ma lecture en cours, bah, pour l'instant, je n'en ai pas puisque je viens de finir le dernier livre. Et puis, mes lectures futures, bah, comme vous l'avez peut-être remarqué, je ne les dis jamais puisque je ne sais jamais à l'avance vraiment ce que je vais lire comme livre. Si je vous annonce que mon prochain livre sera tel titre, il y a de fortes chances pour que, entre-temps, j'en change. Donc je ne dis jamais mes lectures futures. Mais voilà, je voulais vous présenter donc les livres que j'ai lus dernièrement. Alors il y a vraiment de tout, il y a un polar suédois, une nouvelle anglaise et un roman jeunesse. Donc sans plus tarder. La dernière fois, je vous disais que j'étais en train de lire Le Prédicateur de Camilla Läckberg aux éditions Babel Noir. Donc je l'ai fini. Donc comme je vous le disais, c'est le deuxième tome donc, de la série des Camilla Läckberg. J'avais déjà lu La Princesse des Glaces que j'avais beaucoup aimé. Du coup, comme j'ai toujours du mal à me mettre dans un roman policier de peur d'être déçue, voilà, celui-ci je l'ai commencé sans trop d'appréhension en me disant que j'allais sûrement aimer autant que le précédent. Donc effectivement, au final j'ai bien aimé, je suis contente de ma lecture. Les points positifs, je trouve, c'est bah déjà l'intrigue. L'intrigue est super intéressante. On va de surprise en surprise. Voilà, je ne m'attendais pas à la fin, en tout cas pas jusqu'à un certain point. Il y a toujours des surprises qui arrivent. Un autre point très positif aussi, c'est le retour des personnages qu'on connaissait déjà du tome 1. C'est-à-dire que leur romance a évolué. Erika, l'héroïne, attend un enfant. Elle est enceinte de 8 mois. Donc ça donne une condition particulière au récit. On a aussi ce côté-là un petit peu de comment est-ce qu'elle vit sa grossesse, etc. Il y a des gens qui se mettent à squatter chez eux parce que c'est les vacances et que du coup, comme ils ont une belle maison au bord de mer, il y a toute la famille qui, comme par hasard, se souvient d'eux et un peu squatte chez eux. Donc on a un peu toute cette partie... pas vraiment indispensable au récit, mais qui est très rigolote à lire et qui nous permet de faire des pauses et aussi un peu d'entretenir le suspense, je trouve. Donc ça, c'est très sympa à lire. Ensuite, un autre point que j'ai beaucoup aimé, surtout après que l'intrigue ait bien démarré, c'est chaque paragraphe, en fait, reste en suspens. À chaque fin de paragraphe, en fait, on passe très souvent d'un paragraphe à l'autre. On passe d'un personnage à l'autre, d'un moment de l'enquête à l'autre, etc. Et à chaque fin de paragraphe, on nous laisse en suspens avec une phrase du style « Le téléphone sonna, Patrick décrocha le téléphone, nota sur des feuilles de papier ce qu'on lui racontait et raccrocha sans dire un mot. » Et voilà, et on ne sait pas ce qu'on lui a dit, mais on sent que c'est super important. Et après, on nous embarque voir quelqu'un d'autre et du coup, ça nous donne envie encore plus de continuer à lire parce qu'on a envie de savoir qu'est-ce qui a été dit dans ce coup de téléphone et c'est ça tout le temps dans le récit. Du coup, ça se lit super vite parce que on n'ose jamais s'arrêter, on veut toujours en savoir plus. Même si je trouve que du coup, au début, c'est beaucoup plus frustrant puisqu'au début, bah, forcément, l'intrigue n'est pas en place, il n'y a pas encore le suspense qui est installé. Donc de passer comme ça d'un personnage à l'autre, je trouve que ça fait un peu l'effet inverse dans le sens où ça donne plus tendance à décrocher. Et il y a un point négatif, enfin, moi quelque chose qui m'a gênée dans le choix de l'auteur, c'est l'absence totale de chapitres. Il n'y a aucun chapitre, jamais. C'est que du non-stop. Et les rares fois où on arrive comme ça à un semblant de début de chapitre, c'est quand il y a des retours dans le passé qui sont en italique. Mais il n'y en a même pas 10 dans le bouquin qui fait 500 pages. Donc, moi, ça m'a beaucoup gênée, surtout au début, quand il n'y avait pas, comme je vous disais, quand il n'y avait pas trop de suspense. J'avais tendance à m'arrêter de lire toutes les 5 pages. Et donc, j'ai eu du mal à avancer. Bon, après, une fois que l'intrigue a bien été mise en place, il n'y a pas eu de souci. Là, je l'ai lu très rapidement. Mais voilà, moi j'aime bien quand il y a des chapitres, j'aime bien quand les chapitres ne sont pas trop longs parce que sinon j'ai pas justement cet effet de aller encore un petit chapitre, ils sont pas longs, ce sera rapide. Quand les chapitres sont trop longs,
En général, j'avance moins vite dans un livre, et là, comme il n'y en avait pas du tout, le début de ma lecture a été un petit peu laborieuse. Mais au final, j'en ai un très bon souvenir. Je pense que je vais continuer cette série, attendre qu'ils sortent en poche tous. Donc, il y en a à peu près un par an qui sort en poche, ça doit suivre à peu près le rythme des grands formats. Donc j'attends le tome 3 l'année prochaine et puis je compte bien le lire également quand il sortira. Voilà. Ensuite, je vous disais, j'ai lu une nouvelle. Alors, c'est un achat complètement impulsif. Quand je me baladais en grande surface. C'est Lady Susan de Jane Austen aux éditions Black Moon. Alors, j'étais vraiment en train de faire mes courses, je suis passée au rayon livre, j'ai fait, tiens, un bouquin de Jane Austen, tout petit, comme ça, il est chouette, le format est sympa, voilà, achat impulsif. Du coup, comme je devais attendre quelqu'un l'après-midi, je l'ai fini, très rapidement. Alors, l'histoire. L'histoire, c'est pour vous... Pour ceux qui connaissent, c'est le même principe que les liaisons dangereuses, que ce soit dans le fond ou dans la forme. C'est ce qui m'a interpellée en lisant la quatrième de couverture et en regardant tout de suite, puisque on a affaire à Lady Susan, qui est une veuve de 35 ans, mais qui est très jolie pour son âge, puisqu'à l'époque, 35 ans, c'était déjà... un âge avancé, on va dire, mais elle est très très jolie et elle séduit, elle a une réputation de séductrice. Et quelques mois après son veuvage, elle se retrouve à devoir vivre avec son beau-frère. Et elle entend parler de Réginald de Courcy, qui connaît la réputation de Lady Susan, qui sait qu'elle est une femme un peu libertine, séductrice, etc. Qui connaît les choses qu'elle a pu faire avec des maris, d'autres femmes, etc. Et qui veut la voir pour entre guillemets, ne pas tomber dans le panneau, la dévoiler au grand jour, etc. Et elle, de son côté, comme elle sait que cet homme-là connaît sa réputation, elle veut au contraire... lui montrer qu'elle est une femme bien, réservée, etc. Et donc, on a affaire, exactement comme dans les liaisons dangereuses, à un jeu de séduction, un jeu un jeu de cachotterie aussi, de pensées trompeuses, etc. Je ne sais pas trop comment expliquer ça. Mais en tout cas, c'est très intéressant à lire, ça se lit très vite, c'est une nouvelle, il y a une centaine de pages, mais c'est vraiment écrit gros. Enfin, c'est écrit gros, c'est surtout qu'il y a des marges énormes. Et c'est sous forme épistolaire, comme dans les liaisons dangereuses. Donc, on a, un tel à un tel, etc., etc. C'est pour ça que ça se lit vite, comme je vous le disais, puisque du coup, il y a beaucoup de blanc. Alors, je trouve vraiment que j'aime beaucoup le style épistolaire, surtout quand il y a plusieurs personnages qui entremêlent leurs lettres. Ce que j'ai beaucoup aimé dans ce livre-là, par rapport au style épistolaire, ce que ça apporte, c'est que très rapidement, on se rend compte que Lady Susan, de son côté, notamment avec la femme de son beau-frère, la femme de son beau-frère la déteste dès le départ. Et Lady Susan fait tout pour être très gentille avec elle. Et Lady Susan, dans ses lettres, dit que, par exemple, elle fait tout pour être gentille et qu'elle est sûre que maintenant, la femme de son beau-frère l'adore. Et quand on lit les lettres de la femme de son beau-frère, eh ben, pas du tout. Elle dit qu'effectivement, Lady Susan fait tout pour être gentille, mais qu'elle est sûre que c'est vraiment pas une fille sympa. Donc c'est très marrant, justement, de voir ce que pensent les personnages de la même relation et c'est pas du tout le même ressenti qui est transcrit dans les lettres. Ça, je trouvais ça vraiment très très drôle à lire. Le seul point négatif que je trouve par rapport aux liaisons dangereuses dans Lady Susan, c'est que la plupart des lettres sont
soit de Lady Susan, soit de la femme de son beau-frère qui est, je vais vous dire son nom, qui est Madame Vernon. Oui, c'est ça. Qui est Madame Vernon. Et elle, alors Lady Susan écrit à une amie à elle qu'on ne voit pratiquement pas. Et Madame de Vernon écrit souvent à sa mère qu'on ne voit pas non plus dans le récit. Ce qui fait que les trois quarts des lettres sont adressées à des gens qu'on ne voit pas dans le récit. Il y a très très peu d'interconnexion dans les lettres, comme il peut y en avoir dans les liaisons dangereuses où tout le monde écrit à tout le monde. C'est ce que j'ai trouvé un peu dommage parce que du coup, ça tue un peu ce principe-là de lettres. Où au final c'est juste 2-3 personnes qui racontent leur version des faits. C'est juste ça que j'ai trouvé un peu dommage. Mais sinon, voilà, j'ai vraiment bien aimé cette nouvelle. Ça m'a beaucoup étonnée de Jane Austen, puisque moi je connaissais Orgueil et Préjugés et Raison et Sentiment, qui pour moi sont beaucoup plus moralistes comme livres. Voilà, des jeunes filles bien élevées. Si elles sont pas bien élevées, elles vont finir par devenir bien élevées, elles vont finir par devenir raisonnables, etc. Et ici, il y a vraiment pas ça. Ici, c'est vraiment des coups bas, de la séduction, mais vraiment avec des dessins malsains, etc. Et j'ai bien aimé. Voilà. Bon, ça atteint pas le niveau des Liaisons dangereuses, qui pour moi est vraiment un livre à lire. Celui-là, c'est pas forcément une nouvelle à lire, mais c'est intéressant. Et si vous avez aimé les Liaisons dangereuses, voilà, essayez-la, je pense que ça vous plaira. Puis c'est du Jane Austen, donc pareil, c'est une valeur sûre, je dirais. Donc voilà, pareil, j'étais contente de ma lecture. Ensuite, je termine, donc, comme je vous l'ai dit, avec un livre jeunesse, puisque j'ai lu Le Monde de Narnia, le tome 7, La Dernière Bataille, aux éditions Folio Junior de C.S. Lewis. Voilà. Donc j'ai enfin terminé les Narnia, enfin. Ça fait au moins 3 ou 4 ans que j'ai lu le tome 1, que j'avais dû lire après la sortie du deuxième film. J'en ai lu vraiment à intervalles très très espacés. Voilà, j'avais pour objectif de tous les lire, les 7. Donc dans celui-ci, on retrouve en fait Gilles et Eustache, qui sont des enfants en fait qu'on trouve dans le troisième, enfin on trouve Eustache dans le troisième film qui est sorti. Si vous ne connaissez pas les Narnia, ça peut vous situer. Gilles et Eustache, ce sont un peu des enfants qui succèdent aux 4 qu'on voit dans Le Lion, la Sorcière et l'Armoire Magique. Ce sont d'autres enfants qui viennent à Narnia. Et donc ils sont rappelés à Narnia pour libérer le roi actuel, puisque le roi en fait a des soucis parce qu'il y a un singe qui a trouvé une peau de lion morte, une peau de lion comme ça, de lion normal, et qu'il l'a mis sur le dos d'un âne qui est son ami, et il le fait passer pour Aslan, et il utilise ce faux Aslan pour asservir la population. Du coup, les enfants viennent à la rescousse. Voilà. Dans ce dernier tome, je trouve que le début est un petit peu lent. Enfin, moi, j'ai pas trop aimé le début. Parce que, déjà, j'ai tellement adoré les 4 enfants qu'on trouve dans Le Lion, la Sorcière et l'Armoire Magique. Ou dans Le Prince Caspian. Même Gilles et Eustache, ils arrivent pas à contrebalancer leur absence. Donc la première partie était un peu ennuyeuse. En plus, je me souviens que le tome 6, le tome 6, c'est simple, j'en ai aucun souvenir. Donc, à mon avis, ça devait pas être impérissable comme histoire. Donc voilà, je trouvais que le tome 7 était un peu dans cette même suite. Et par contre, la fin est super, parce que la fin, j'ai retrouvé tout ce qui m'a plu dans le tome 1. Alors le tome 1, c'est Le Neveu du Magicien. Le tome 1, il se passe avant le premier film, donc avant Le Lion, la Sorcière Blanche et l'Armoire Magique, c'est ça le titre. Le Lion, la Sorcière Blanche et l'Armoire Magique.
Et c'est la création de Narnia par Aslan. Et j'avais trouvé ce passage-là de la création de Narnia juste super beau. Et voilà, on a un passage qui ressemble énormément à ça. Il y a plein de bonnes surprises à la fin de ce tome-là. Je suis contente, franchement, je suis vraiment contente de la fin, contente de la façon dont ça se termine. C'est vraiment ce que j'espérais dans ce dernier tome. Et je suis contente d'avoir vraiment retrouvé tout ce que j'attendais de ce dernier tome. Pour ceux qui ne connaissent pas la série des Narnia, pour comparer par rapport au film, si vous avez vu les films, si ça vous intéresse, donc les films sont, par rapport aux 7 tomes, ce sont les films du tome 2, du tome 4 et du tome 5. Donc il y a des tomes qui n'ont pas été mis en film. Le tome 1 est très bien, mais je pense que ça aurait été difficile de le mettre en scène puisque c'est vraiment une histoire de création de monde. Il n'y a pas tant d'action que ça. Le tome 3 était vraiment sympa. C'est dommage qu'ils n'en aient pas fait un film, même si les héros sont pas les mêmes. Le tome 6 était quand même moins intéressant et le tome 7, pareil, est un peu compliqué à mettre en scène. Mais je vous conseille vraiment cette série. Surtout les premiers tomes, on va dire les 5 premiers tomes sont vraiment, enfin les 4 premiers tomes surtout sont vraiment sympas. Par contre, il faut savoir que l'écriture, le style est beaucoup plus enfantin que ce que pourraient montrer les films. Les livres sont beaucoup plus jeunesse que les films. Contrairement à d'habitude, moi je me souviens des Royaumes du Nord où le film fait beaucoup plus enfantin que le livre. Là, c'est vraiment l'inverse. Quand on lit le livre, c'est marqué à partir de 9 ans. Je pense que même à 9 ans, si c'est quelqu'un qui lit beaucoup, il va se dire non mais ça c'est pour des gamins quoi. Il n'y a que en ayant un peu de recul, en étant plus âgé, qu'on peut trouver ça mignon, le style d'écriture, je pense. Enfin moi j'ai trouvé ça mignon, le style d'écriture très jeunesse, avec vraiment des allusions. Oui, vraiment, vraiment, vraiment jeunesse. Enfin, oui, ça doit être un des livres les plus jeunesse que j'ai lu en étant adulte. Mais voilà, c'est vraiment mignon en tant qu'adulte. Je vous le conseille quand même d'essayer. Surtout si, voilà, si les films vous ont plu. Je suis contente d'avoir fini les Narnia. Et puis je suis contente de la façon dont ça se termine. Donc voilà, donc je vous encourage à lire la série. Et voilà. Voilà, donc comme je vous le disais, je n'ai pas de lecture en cours, enfin en cours, puisque je viens juste de terminer le dernier tome de Narnia. Donc ce sera la surprise, voilà, je ne sais même pas moi-même ce que je vais lire. Donc voilà, ce sera la surprise à la prochaine vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser des commentaires sur les livres que je vous ai présentés, si vous les avez lus, s'ils sont dans votre pile, si ça vous plairait, si vous avez des questions, quoi que ce soit. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, et puis moi, bah, je vous dis à bientôt. Ciao!